Regardez la vidéo qui vient juste après et on en reparle. La femme de valeur, c'est cette femme-là qui n'acceptera jamais d'être dans une relation où elle devra se contenter des miettes d'affection. Alors qu'elle sait qu'elle a le droit d'être respectée et aimée inconditionnellement. C'est pourquoi elle n'hésitera pas à mettre fin à une relation dans laquelle elle ne se sent pas valorisée. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un homme. Homme, H, H, grand H, majuscule. Tu vois, l'homme qu'on respecte, l'homme à qui on se soumet, c'est celui qui pense comme ça. C'est pas le clampin que tu as chez toi, qui fait des allers-retours, qui t'a trompé dans toute la ville et qui te manque de respect devant ses amis. C'est pas lui. Ça, c'est un clampin. Un vrai homme, il sait ce que c'est une femme de valeur. Et toi, maintenant, en tant que femme, écoute bien ce qu'il dit. Une femme de valeur, on dit pas qu'elle peut pas se tromper, hein. Une femme de valeur peut tomber sur un clampin, attention. Mais une femme de valeur, quand elle se rend compte que la personne là c'est un clampin, elle n'hésitera pas une seconde à mettre fin à la relation. Parce qu'une femme de valeur, elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce qu'elle mérite. Elle sait de quelle manière... Attendez, je remets mon joli béret parisien. Elle sait de quelle manière elle doit être traitée. Et si on la traite moins que ça, la femme de valeur n'hésitera pas à dire au revoir. Ciao, hasta la vista, hasta pronto. Oui, oui, oui. Une femme de valeur, c'est une femme qui n'acceptera jamais qu'on la traite moins que ce qu'elle mérite. Même s'il reste un seul homme sur terre, la femme de valeur préférera rester seule qu'avec un clampin. Ça, c'est une femme de valeur. Donc, tous les clampins qui viennent dans mes commentaires, parce qu'ils sont en insécurité par rapport à ce que je conseille aux femmes, quand je leur dis de quitter ce genre de clampin, justement, ils sont en insécurité. Messieurs, sachez que nous, les vraies femmes, on respecte les vrais hommes. Les hommes qui nous donnent du respect. Les hommes qui savent nous porter. Les hommes qui savent voir la valeur d'une femme. C'est chez ceux-là qu'on se soumet. C'est à ceux-là qu'on donne notre respect. Mais vous, clampins, là, la seule chose qu'on peut faire, c'est comme dit la Bible, c'est marcher sur les têtes des scorpions et des serpents. Parce que c'est ce que vous êtes. Donc, on vous écrase. Voilà.